Bonsoir. Moi, je viens porter un élément d'information pour nous sous pandémie, hein? Et c'est-à-dire coronavirus aux États-Unis, côté à sous administration Joe Biden, il y aura les souffrant avec coronavirus, il y a un pile monde qui prend piqui, c'est-à-dire et vaccin, parce que après que moun aux États-Unis a marché sans masque en figure, ça c'est une merveille extraordinaire. Et pour venir sur l'autre question, tout m'a venir sur l'autre question et technologie. Alors technologie, je ne vais pas faire un pile commentaire, mais je vais quitter nous tant de ça qui a passé sur technologie et qui information qui gagne sur coronavirus là. Qui t'aime pour un petit temps pour me saluer, nous avons un bon Dieu papa qui a tout pouvoir, qui crée le ciel, la terre, et qui toujours passe ses anges lui au l'ordre pour veiller sur nous, pour protéger nous. C'est-à-dire, c'est ça, on va le faire nous écouter, ça va passer actuellement là. Suivons ensemble avec moi, je m'appuie suivant ensemble avec nous là. OK? Règlement centra-américain pour contrôle avec prévention maladie CDC, publié sur site internet l'IA, lui fait quelques nouvelles recommandations concernant l'utilisation masse et l'activité du monde capable de mener si on s'est déjà vacciné totalement contre COVID-19. En général, les spécialistes ont considéré que le monde recevra vaccin totalement 2 semaines après le fin de la deuxième dose, là, si c'est un vaccin qui demande pour le monde prendre 2 doses. Ou bien 2 semaines après le fin de recevoir une seule dose, si c'est un vaccin qui m'a demandé pour mon plan, juste une dose seulement. Un monde qui vient vacciner totalement, capable de suspendre mettre masque dans la figuille, ni l'aile en dancaï, ni l'aile de yo. Mais il y a une exception. C'est comme ça tout, mon ça n'a pas besoin d'observer distance si bien par rapport avec l'autre monde, excepté si loi, règlement, avec normes gouvernement fédéral, gouvernement, état, localité, tribu ou territoire, côté la vie, là, mandé ça. Si un monde qui est totalement vacciné a voyagé dans les États-Unis, il n'a pas besoin de faire aucun test pour détecter s'il y a maladie, ni avant, ni après voyage là. Même je n'ai pas besoin de passer aucun temps en quarantaine. En retenant quelques exceptions, si un monde qui est vacciné entre en contact avec un monde qui trappe maladie COVID-19 là, il n'y a pas besoin de prendre distance li avec l'autre monde, ni à faire test pour détecter s'il trappe le virus là, à moins que le monde a développé quelques symptômes. Malgré que tu as déjà fini vacciné 100%, si tu as voyagé en avion, dans autobus, train ou bien par l'autre moyen de transport public, responsable est capable de demander de mettre un masque dans la figure et ou de conformer avec demande ça. Cependant, il y a quelques business qui décide de continuer à appliquer le règlement qui était en place avant la campagne de vaccination ait commencé, en attendant de réviser les nouvelles recommandations CDC. Qui donc, ou de respecter les décisions, ça, l'air sous lieu de travail ou bien dans le local, magasin, à entreprise. Ça, sous son voyageur international qui débarque aux États-Unis totalement vacciné, autorité immigration américaine exigé pour montrer au défunt test détection COVID-19 là, 3 jours avant d'entrer dans le pays. Et puis, il y a un autre test détection en 3 à 5 jours après d'entrer aux États-Unis. CDC espérer nouvelles recommandations pour encourager tout le monde à prendre santé en main pour propre protection personnelle. Toujours sur la voie de l'Amérique à permettre des pays Washington DC, on pense spécial pour les amis Facebook, moi qui t'allais à terre avec, mais qu'on y a encore qui avait, notamment Hassan Jean-Pierre, Michelet Nelzi, et puis sans oublier Jean-Daniel Désir, et nous saluer tout d'avance, et puis sans oublier Mervilus Chantal, c'est un plaisir pour nous connaître que vous branchez dans moment ça. Nous prenons l'actualité ici aux États-Unis, dans la journée mardi 1er juin 2021, président Joe Biden, tout le premier leader américain en fonction, qui commémorait l'anniversaire de la destruction de la communauté noire, qui était plein de prospérité et que la population blanche était éliminée net dans la date 31 mai à 1er juin 1921.
ça t'est passé dans la ville Tulsa, État Oklahoma, côté jusqu'à 300 monde t'es perdu la vie et 10 000 lots pas de cas et priorité. Lionel Demarat, a dit nous plus sous question. Non cérémonie commémorée génocide ça, qui est arrivé ça gain 100 ans dans le quartier Greenwood, dans la ville Tulsa, État Oklahoma, président Joe Biden déclaré entre autres, c'est pas parce que l'histoire garde silence sur ça qui t'est passé, hein, qui voulait dire ça pas arrivé vraiment. Il y a une injustice qui est tellement malouque, tellement effrayante, qu'on n'est pas capable d'enterrer ça, quel que soit l'effort fait. M. Biden parlait comme ça dans le centre culturel de quartier Greenwood, là, devant les gens qui étaient là dans l'époque génocide, là et qui vivent toujours, descendant yo avec membres de famille. Yo. Vraiment vrai, ça a gagné 100 ans, quartier Greenwood, ça a gagné la donne. Un centre commercial a été relé le Wall Street noir. À l'occasion de massacre, une populace blanche a été potée pour résoudre tout ce qui existait dans le centre commercial. Et puis, écraser les rapides avec appui du département police-ville, tout ça, côté tout policier, c'était blanc pratiquement. Ça a provoqué massacre, c'est accusation qui a circulé pour dire comme quoi, un jeune garçon noir, 19 ans, t'es fait cas de Jacques sur un jeune petit blanche 17 ans pendant que tu es dans un ascenseur. Dans le message président Biden présenté à l'occasion centenaire massacre, il a annoncé que l'administration prend toute disposition pour réduire les cas qui existent dans la richesse citoyenne et cas qui sont basés sur la race. So folks, we can't. We must not give hate a mes amis, part. Nous pas capable quitter une place libre pour la haine, pour Aïssa. J'en te dis ça, dans le message moi sous l'État Union devant Congrès, d'après rapport bureau agent secret New York, terroriste qui a sorti par côté suprématie blanche là, représenté une gros menace mortelle là pour le territoire national. C'est pas État Islam, c'est pas Al-Qaïda, c'est fanatique suprématie blanche. C'est pas moi qui dis ça, c'est bureau agent secret New York. Yo dit ça ni sous gouvernement passé yo ni sous administration. Administration Biden non, gain plan investi plusieurs dizaines de milliards de dollars dans communauté défavorisée yo. Même j'ai un projet pour élargir et augmenter quantité contrat gouvernement fédéral la signé avec business que représentant minorité au possédé et puis révoquer, remplacer règlement administration trompe la téprend pour bloquer application loi qui exigeait justice avec équité, les mouna ploué ou bien acheté caille. Lionel Demarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Demarat, Fondi, que et célébration, ça a bon bien pris le fait que tu fais go réunion ça, côté que président Joe Biden marqué et anniversaire ça. Eh bien, ça fait que vous mettez un paquet de questions sous tapis, question de et racisme non? Et par exemple après George Floyd ou après que il était capable ou elle nous était capable ouais que yo mettait photos dans bah là et puis donc c'est une question vous nous connaissez que Joe Biden lui-même il compte les questions racisme non? Donc c'est une grosse bataille liée et il croit que avec commémoration ça sont pas qui fait et en avant donc je dis à ces deux juin nous voulons et saluer yon ami spécial c'est un ami spécial et autour sur la voie de l'Amérique qui permet depuis Washington et DC et nous voulons saluer toutes amis qui a écouté nous et sur Facebook ou bien n'importe plateforme et qu'on y a Lionel Demarat pour offrir nous et science et technologie. On commence à finissement yon mission qui a un gros succès à remplir gloire. Appareil qui desservit la mission dans fort l'espace qui est la mission Cassidy Huygens, appareil spatial, ça a été gagné pour la rouler dans l'atmosphère Saturne. Pour ne pas contaminer la ligne LIO avec microbes qui sortit sous terre, qui est toujours rangé comme monté à bord tout appareil spatial. Appareil a été passé 20 années à étudier planète Jupiter et Saturne, à côté il a atterri sous la ligne Saturne qui est les Titans. Il était découvert de l'eau sous l'autre la ligne Saturne, qui est les Enceladus. Ça va être dit en 2004, il est valable tout pour toute découverte Cassini. Caroline Forco, c'est à la tête de l'équipe mission Cassini, qui a fait photo dans l'espace.
Li di m pa panse ou dwe yon gran savan pou imajine ki sa l'anmi di eswa te ye pou nou. Nou pa gen mò pou dekril vreman. Li te fen pedi tèt nou. Se sel konsan ka dekril. Yon lansman remakab an 2017, se te satelit Sentinel 5 prekurseur ki Ajans Spasyal Europe la te realize. Li pou l'observe jan le a sal a koz aktivite l'om ak aktivite naturel. Kote li pou alale temoun sou kote ki gen plis deche ki ka afekte sante. Ralph Cordé travaille pour défense avec l'espace, la compagnie fabriquant avion Airbus. N'ap cherché comprendre source gaz, bien seulement trace yon atmosphère, tout sa kap sal l'air. Et jouen qui côté au sorti, qui connexion yon avec activité l'homme avec activité naturelle. En 2017 toujours, à bord de station spatiale internationale, l'astronaute la NASA a fait 200e marche dans l'espace. Et l'astronaute Peggy Whitston a battu un nouveau record pour quantité de temps astronaute américain passé dans l'espace. Sous Terre, ça a été occupé à préparer une mission importante pour 2018. Parmi eux, télescope infrared James Webb pour l'espace, qui pourrait le servir pour garder planète astronomie fait découvrir. Qui est même grosseur à Terre, qui entoure quelques étoiles qui sont bien loin de même sous Terre. Eric Smith travaille pour le programme télescope spatial James Webb. Nous pouvons servir à Webb pour étudier l'atmosphère planète Sayo. Pour nous voir qui est l'élément chimique qui est dans l'atmosphère Sayo. Est-ce qu'il y a de l'eau là? Est-ce qu'il y a de l'ozone peut-être? C'est un bon bagage que le nouveau télescope la pointe en position à distance de 1,5 million de kilomètres à Terre parce que, d'après quelques savants allemands qui avaient dit en 2017, l'espace dans l'entour planète noire a pris de plus en plus sale avec des débris qui étaient dans l'espace. Holger Craig travaille pour le bureau de débris spatial dans l'Agence spatiale Europe. Là. L'énergie atteint une particule qui mesure 1 cm et frappée en satellite dans la vitesse sale, c'est à peu près même barré avec l'explosion et un crénage. Pour Science et Technologie, moi-même c'est Serge François-Michel. Merci Serge François-Michel et avec ces